Bonjour à tous, c'est Anonymal, je crois que ça vous le savez, hein. Vous êtes sur ma chaîne normalement. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va bricoler un peu. Et ça fait 55 ans que je l'ai pas fait, voilà, pétage de câble aujourd'hui, et pas un petit hein. J'ai décidé que ça faisait un petit moment que j'avais pas changé de bureau, et je me suis dit, bah on va le changer. Puis après j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah c'est pas drôle, c'est trop facile, le bureau, on va pas le changer, on va le customiser. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je passe ma vie à regarder des vidéos de bricolage, j'en fais jamais. Là, c'est l'occasion hein. Merci beaucoup à Alienware, Nvidia, GeForce France, et à la Fnac de sponsoriser cette vidéo parce que elle va coûter un peu d'argent et en plus de ça le produit est cool. Bénef, mais on en parlera juste un peu plus tard. J'ai pas fait cette vidéo seul, je vais être accompagné d'un de mes meilleurs potes, Axel. Vous l'avez pas vu sur la chaîne depuis 2017. Oh, tu m'énerves, t'as zéro énergie. Allez Martin. Je m'assois. Let's go. Je leur dis. Ok, du coup Axel il est chaud en 3D et il a fait des petits plans 3D du bureau de ce que lui il avait en tête pour custom le bureau. Moi j'ai mes idées aussi, je vais te dire avant de regarder, là je vois vite fait mais je vais pas regarder hein. Regarde pas, frère. Juste avant je vais te dire vite fait ce que j'ai en tête. Ok, parce que moi du coup j'ai fait au pif. Nice. Ok, en gros, moi je voyais le bureau. Bon, on va prendre cette table là pour exemple. Là, moi je voyais un trou là, tout le long. Ok, bah jusque là on est bon. Dans l'idée, je voulais un genre de jardinière un peu tout le long, mais pas forcément tout le long. Avec des petites plantes et tout, et de la genre peut-être 3 ou 4 petites lumières, tu vois. Juste des petits spots. Ouais, ok. 3 ou 4 qui réfléchissent bien sa mère. Ok. Bon, du coup, moi je fais un petit bac au masque. J'ai fait le truc sur la longueur. Là, il y a un petit bac en ciment. Ou bon, après la matière, ça. Après, petit caillou, petite terre, et j'ai mis les petites plantes. Et du coup, pour poser des trucs dessus, tu vois, si genre par exemple, imaginons, je décale la plante un peu, je me dis là, par-dessus, tu peux mettre un petit rack en métal, tu sais, un petit truc en métal, et tu poses ce que tu veux par-dessus. Et tu sais, tu peux le faire glisser le long du truc. C'est ultra stylé, quoi. Non ? C'est ultra stylé. Après, je sais comment on fait des racks en métal. Ouais. Il y a un truc auquel genre je viens de penser là. Si on foire. J'ai plus de bureau mon ref. On va pas foirer. Ici on foire pas. Bon bah bref, du coup je pense que c'est bon. Mais après le béton, moi je suis un peu perplexe quand même. Ouais, faire un caisson en bois frère, c'est tout. En vrai le bois ça peut acheter une petite couleur sympa hein. Ouais, en vrai ça peut être trop beau hein. Avec si le bois il est pas trop moche, ce sera beaucoup plus simple à déplacer et à utiliser que du béton. Parce que le béton ça se pète. Quand c'est pas très épais ça se pète. Là le bois tu le soulèves, tu le jettes, c'est bien quoi. En vrai, une fois qu'on a ça, juste on le prend, on l'encastre sur notre bureau, c'est fini. Mais en plus si t'en as marre, si le truc est bien fait, si là on fait un beau bac en bois, après tu soulèves ton jardin, tu l'enlèves, tu mets un rectangle de ce que tu veux et tu récupères ton bureau. Tu m'as convaincu, c'est du bois. C'est parti, vas-y bois, c'est bon. Ok, on vient de récupérer tout ça chez Bricolex. Du coup, on a énormément de planches, notamment ces trucs-là pour faire l'espèce de cadre qui aura autour du trou dans le bureau. Là, ces petites planches-là, c'est pour faire un bac et tout le reste, en gros, c'est pour découper. Exactement, allons-y, c'est parti, on va tout casser. J'ai peur de tout péter là. Là j'ai... Alors ça c'était sûr. J'ai failli faire une dingue là gros. L'écran il l'a lâché gros. Il est en pleine santé. Oh le bon bistou. Oh gros. Et moi je le maîtrise. Oui bah oui. J'ai rien fait tomber. Ah ouais. Et genre ça là. C'est quoi? Si vous voulez bien me regarder, je vais vous montrer ce qui va se passer. Nous allons couper le tablon. Ici, de manière comme ceci. Ensuite, ici, nous allons incruster un bac que nous allons fabriquer de manière tout de suite en bois de chêne. Perspective ou quoi? Dans ce bac-ci, nous allons mettre... Bon alors, ok. Ça, c'est une bâche. Plante, caillou, terre, bâche, petit pot, bureau. Et ensuite, quand on en a marre, hop là, on enlève le tout. Et on met un énorme chocos de bois. Et on peut même mettre des petites lettres dans le bois si on est... Fancy. Ce projet, c'est notamment moi qui l'ai designé. Insta. Axol. La première chose qu'on a à faire avant de percer ou de construire quoi que ce soit, c'est de prendre des mesures les plus précises possibles sur la longueur du trou, la largeur du trou, la profondeur du trou, pour pouvoir ensuite faire des découpes qui soient à peu près correctes. C'est impeccable, j'ai jamais vu un trait comme ça. Bah, ça me fait hyper plaisir. Là, du coup, faut que tu vois combien tu veux. Là, c'est... Là. Ah, c'est tout? Bah, si je fais là, gros, j'ai juste plus de place sur mon bureau. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Je fais entre les deux. il a tout dit. Hop, du coup ça c'est bien. Maintenant c'est le moment de faire des gros trous sa mère hein, je crois. Hein. Bah là c'est bien là tu penses. Là ce qui nous a expliqué le frérot du Bricolex, c'est que pour creuser là-dedans, on allait faire des trous dans les coins et des trous un peu intermédiaires qu'on allait scier entre les trous pour retirer la matière qui est là.
Ok, c'est bon, ça c'est troué. Ah, il allait plus vite lui, hein. Ah, lui, je crois que j'ai traversé. Hein. Hop là. Hop là. Les points, ils sont chirurgicaux. Un petit trou là. Il était obligé. Il était obligé, ce prix là. C'est bizarre, des fois j'ai l'impression que je touche le fond. Ah mais oui, mais c'est ça gros. On a tout découpé, genre entièrement. Ah, on a tout baisé là. Là c'est finito là, on a plus le choix de faire un bac. Là c'est bac obligé. Oh bah bon, ah, on les a coupés à la scie, frère. C'est fini les LED, y'a plus de LED. Propre. Mais en vrai on est chaud hein. On a coupé mes LED à la scie sauteuse, frère. En même temps, t'es LED aussi. Quoi ? Non. Pour commencer à créer le bac qui va aller à l'intérieur du bureau, le premier truc qu'on a fait, c'est vérifier déjà la profondeur. Comme ça, on pouvait reporter ces mesures sur des lamelles de bois qui vont servir de bord au bac. Une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à tout découper à la scie sauteuse. Nickel, garçon ! J'ai peur de pas pouvoir récupérer mon bureau en vrai de vrai. Hein. La longueur des planches qu'on avait prises à la base est pas assez grande pour la largeur du bureau. Ce qu'on va donc faire, c'est donc assembler deux lamelles pour qu'elles fassent la bonne longueur grâce à un petit système d'emboîtage qu'on a dessiné sur la planche. On creuse dans le bois pour créer comme un puzzle et normalement les pièces de bois devraient pas bouger. Et on va répéter le processus deux fois parce qu'il y a deux côtés. Oh, il va être nickel, gros. Ouais, faut taper. Oh, génial. Peut-être que... Non, c'est le cœur. Tabassage. Va me chercher le marteau, Mathias. Toi, tu refais ça, je te démarre. Ça marche. Voilà! Incroyable! C'est solide ou pas? Bah, si tu peux pas le tirer. Oh, c'est sûr. Oh, mec, juste par contre. Incroyable, il est trop chaud. Du bon travail. Oh là là, les artistes! Bon. Artisans. On monte pas à l'autre côté. Bah, en vrai, juste avec un peu de colle, c'est charme, c'est nickel. Pour le deuxième côté, on a effectivement eu besoin de colle et de serre-joint pour essayer de solidifier le truc. Et spoiler, ça a pas marché de ouf. Sinon, au pire, ce qu'on fait, si vraiment ça pue la merde, on achète un bout de métal et on fait une cheville, genre. Je peux péter, Squeezie il pète sur sa chaîne. C'est bon, on peut y aller. Ok, maintenant qu'on a fait des jointures ici pour avoir la bonne longueur, ce qu'on va faire, c'est faire des biseaux dans le coin là, histoire de pas faire des carrés tout moches dans les coins. Non, on fait une diagonale pour avoir une belle jointure. Bah du coup, c'est juste des biseaux quoi. Gang gang. On vient de refaire les courses. Alors, qu'avez-vous dans votre petit panier pour poncer un papier ponce? En gros, là, on a pris de quoi tout ce qui est métallique, en fait. Tu me laisses pas parler? Non. Ça va. Le terreau, c'est pas des chips. C'est pourquoi? C'est pour remplir le bac. La biafine, ça c'est pour moi. Mon écran, frère. On a pris du coup tout ce qui est visserie, renfort en métal, etc. Et de quoi faire de la lumière sur le bureau, parce que j'avais envie de rajouter des spots bah, dans les petites plantes là pour faire un petit jardin éclairé. Du coup, ça a été une grosse galère. Au final, on a trouvé un truc à moitié connecté. Et puis on va voir. Hein. Voilà. Et on a pris aussi finalement des fausses plantes. Comment t'appelles ça? C'est de la dinguerie, hein, c'est tout ce que j'ai vu moi. Le projet va être sensationnel. Il est 22h15, on vient de finir de faire tout le cadre qui va aller autour juste ici. C'était long. Tous les boussons ici, on aura juste à les assembler, les visser, les coller. Et. On a fini aussi le tour du bac qui va être juste en dessous là, qui va du coup accueillir tout le faux jardin. On a mis des petits renforts en métal parce que nos trucs schlag là, ça suffisait très certainement pas. Et bah là on a juste de l'assemblage à faire quoi. Et de la peinture, du vernissage et de l'électricité. Et un petit peu de découpage de métal. Et un peu de découpage de métal. J'ai envie de mourir frère. Ok, nouvelle journée, nouvelle vie, pas trop. Hier soir, on a fini tout ce qui est teinte à bois, du coup les morceaux de bois sont beaucoup plus jolis. Avant, c'était ça, voilà, c'était chum. Et ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est juste faire de l'assemblage, on va faire le cadre et le bac. On va tout coller et clouer, et ensuite on aura juste à remplir le bac. T'as tout dit, check. Oh, celles-là, elles sont chiantes à rentrer, ça sent. Hein. Le bois, il est très dur aussi. Vas-y, on met les petits, hein. Très très vite. Là, le bois, il a pas kiffé ça. En vrai, ça va, on a de la chatte, c'est même pas sorti. Hop là, Niyemp. Ça, hop. Impec en vrai, niveau structure. Ouais, en vrai, on est pas mal. Hein.
Ça rentre une tiède, gros, c'est un Lego là. Et du coup, là, il faut faire le dessous. Là, je pose juste dessus. Oh là là, agréable, agréable shit. Pour le fond du caisson, on a cloué des planches qu'on avait préalablement découpées et on a rajouté un petit bout de bois au milieu puisque la longueur de nos planches n'était pas suffisante pour couvrir toute la surface du bac. On cloue tout ça ensemble et avec la scisseteuse, on fait les dernières découpes pour faire une finition bien propre. Là, mon gars, ça me fait hyper plaisir là. Ça bouge pas. Normalement, c'est trop bien. Aïe aïe aïe! Ouais, bah c'est le côté. Yes. Bon, on a été chaud de fou. On a fait les trois quarts là. Maintenant, il faut mettre les bordures là. Et gros, on est bon là. Pour fixer les bordures du cadre qui ont besoin d'être hyper solides puisqu'elles vont supporter tout le poids du bac, on a commencé par mettre de la colle à bois un petit peu partout, ouais. Notamment sur les côtés gauche et droite qui doivent être hyper solides puisqu'il n'y aura pas de clous à ces endroits là. Sinon, tout le reste a été clouté à des endroits stratégiques. Sur la version finale, on verra pas les clous. On vient de finir tout le bac, on a fait les bords, on a fait l'intérieur, on aura juste à le glisser dedans. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits trucs en métal par-dessus. Parce que par exemple, j'ai mon bras d'écran à mettre et si je le mets direct dans la jardinière, bah c'est chiant. On a fini toutes les pièces qu'on devait trouer, découper et tout ça. Le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est assembler tous les éléments dans ce bac là. Notamment des petites lampes que j'ai pris pour pimper un peu le bac quoi. On a aussi ces plaques là en métal qu'on a découpées. Donc à gauche et à droite, il y aura les enceintes. Et en plein centre ici, on va poser le pied pour l'écran. Soigneusement découpé par moi-même. Salut. À l'intérieur ici, j'ai fait des marques là, là et là. Il y en a une au milieu, deux sur les côtés. Et en gros, ça va être l'emplacement des lampes qui sont normalement connectées. Mais je sais pas si... Ça a l'air bizarre, hein. Normalement, ça marche. Il manque juste des trous pour faire passer les câbles. Et ensuite, on mettra une bâche pour imperméabiliser. Voilà ça. Ça sent vraiment le cramax, hein. Ben ouais. Fou le con. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre les câbles et les ampoules à l'intérieur des trous. Comme ça, on pourra déjà avoir une idée de comment ça rend et on pourra positionner le reste en fonction de ça. Ces trois câbles-là, on va les mettre sur ce connecteur-là qui va tous les gérer. Et c'est ce qui permet, je pense, de connecter les lampes. C'est juste des petites prises. Et une fois qu'on a ça, faut le mettre sur une alimentation qui va falloir relier ensuite à une prise. Et ça, c'est un truc que je sais pas faire. Donc ça va être fait en schlag comme tout le reste. Comme il y aura du terreau à l'intérieur du bac, on a cloué quelques cales juste à côté des lumières pour que le système électrique puisse respirer, qu'il n'y ait pas de terre dedans, etc. Clouage time. Ding 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 ding. Ouais, c'est 100%, ça tient. 100% ça tient. Allez hop. Tant que ça tient, nous on fait pas dans la dentelle. Hein. Pour pas que le bois devienne humide au contact de la terre ou de quoi que ce soit, on a préféré mettre une bâche. Alors c'est pas une bâche qui est normalement adaptée à ce genre d'utilisation, mais ça va très bien fonctionner. On met un maximum d'agrafe pour que tout soit solide et tienne en place. On va faire aussi des trous dans la bâche pour pouvoir faire passer les lumières et essayer de faire une isolation à peu près potable. Une fois que tout ça est fait, on remet des agrafes parce qu'on a jamais trop et on fait le tour du bac avec un cutter pour enlever l'excédent de bâche et garder seulement ce qui va nous servir pour faire en sorte qu'on la voit pas parce que ce serait pas hyper beau. On a fini le bac, on n'a plus qu'à le remplir, les lumières sont mises. Ce qu'on va faire, et on l'a déjà fait sur plusieurs couches déjà, c'est revernir cet encadrement là, parce que le bois bute tout le vernis. Donc on fait un dernier passage, et je pense que ce sera bon, on commencera à remplir. J'ai pas le droit d'entrer dans le cadre, c'est chiant. Comme je viens de le dire, on va encore passer une couche de vernis pour que le bois soit vraiment joli et qu'il soit solide. Ça va empêcher que le bois se détériore trop vite. Une fois que c'est sec, je vais pouvoir commencer à verser le terreau. Ça fait bien chier ça. J'essaie de le verser le plus uniformément possible. Là sur les images on dirait que je sais à peu près ce que je fais. Pas du tout, rassurez-vous. On a préféré mettre de la vraie terre, comme ça c'était assez simple de planter ensuite des fausses plantes dedans. On a désossé une plaque qui était vendue avec plein de fausses plantes dessus pour récupérer seulement celles qui nous intéressaient. Je les ai ajoutées une par une dans le bac pour que ce soit pile au bon endroit. Et en vrai je suis assez satisfait de moi, c'est solide, ça tient. En parallèle, Axel a teint en noir mat les plaques de métal qu'on avait prédécoupées. Il a fallu mettre une couche de vernis mat dessus aussi. On n'avait plus qu'à les clouer ensuite sur la structure initiale. Et évidemment on a fait attention aux écarts entre les plaques pour bien les centrer. Là, pour le coup, les clous seront visibles, mais l'esthétique me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien. Je suis trop excité là. J'ai peur que ça rentre pas, gros. Je suis stressé, frère. C'est bon ? J'ai trop peur que ça passe pas, frère, vraiment. Miam miam. Vas-y. Non, non, s'il vous plaît, non. Tape un peu, tape doucement, un peu. Doucement, doucement, calme-toi, frère. T'énerve pas, gros. Zut !
Alors, on en pense quoi? Vous l'avez remarqué, ce bureau, avant de le pimper, on a fait un modèle 3D avec Axel. Et on l'a fait sur un PC portable qui est pas n'importe lequel, puisque le fabricant de ce PC portable, c'est le sponsor de cette vidéo. Surprise! C'est un PC portable de gaming à la base, qui est le Alienware M15 R4. Et c'est un monstre, c'est pour ça qu'on a fait de la 3D dessus. Il y a une carte graphique Nvidia GeForce 3080 à l'intérieur. Donc ça va, on peut faire tourner quelques trucs quand même. Vous avez remarqué en plus de ça qu'il est assez fin pour un PC de ce type, et vous le voyez pas à vous, mais il fait que 1,8 kg. Le châssis reste quand même assez épuré, on reste dans l'ADN gaming, tout ça. Et là où c'est très impressionnant sur ce PC là, c'est la partie écran. 1080p, 300Hz, 3000 secondes de latence. Voilà! C'est un PC qui est pensé pour travailler, streamer et jouer. Et grâce à la 3080 qu'il y a dedans, on peut faire vraiment tourner des jeux pas dégueux. Et avec des nouvelles technologies comme le ray tracing, le DLSS, tout ça. On va lancer le jeu Doom Eternal et vous allez comprendre de suite. On est donc sur Doom Eternal. Pourquoi ce jeu? Parce qu'il y a du ray tracing dessus. Le ray tracing, vous connaissez très certainement, c'est une technologie qui a été importée du cinéma. Et qui permet en fait de calculer la lumière comme dans la vraie vie. Waouh! Hop, bah dans la vraie vie, quand vous passez à côté d'une vitre par exemple et que le soleil se réfléchit, c'est un certain comportement. Et dans les jeux, avant, c'était fait artificiellement. Ce qui est plus le cas maintenant avec ce genre de technologie là, et ça rend tout plus beau en fait. Là, je suis en train d'enregistrer mon écran en même temps que je vous parle, ce qui prend énormément de ressources. On est à 30 fps, c'est marqué juste en haut de l'écran ici, et j'ai joué juste avant sans enregistrer, et on était à peu près 200 fps. Donc c'est ce que vous aurez en jeu, sachant que tout est au maximum aussi, et qu'il y a la technologie RTX activée. Bah là, on en parlait par exemple, le reflet de la lumière qui est ici, c'est dû à la technologie RTX. Et parce que cette technologie là prend énormément de ressources, ils ont dû créer une technologie qui permet de pallier à ce problème là, qui va s'appeler le DLSS, qui permet de rendre l'image plus fluide. Dans les cartes graphiques de la série 30, et ce qui est pas le cas dans les autres, vous avez des puces qui sont dédiées à l'intelligence artificielle. Du coup la carte graphique est pas surchargée d'informations, vous avez des cœurs qui sont dédiés au ray tracing. Du coup tout le reste peut fonctionner hyper normalement. Vous avez donc ce jeu là, Doom, qui est compatible avec le ray tracing depuis le 29 juin, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez Deliver Us the Moon, Minecraft RTX, Call of Duty Cold War, Cyberpunk 2077, bref il y en a plein. Tout ça pour dire que ce PC peut faire tourner des jeux AAA sans problème. Pour revenir au bureau, ça a été assez rapide pour vous, le montage, tout ça, ça nous a pris 3 jours. C'était une galère pas possible, il y a eu plein de choses sur lesquelles on a dû improviser ou se raviser, on a dû faire des rajouts de course un peu dans tous les sens et tout. De A à Z, c'était schlag. Mais le résultat rend trop bien, les petites lampes sur les côtés là, je suis trop content. Après, on voit pas celle qui est juste en dessous de la plaque centrale, je m'y attendais un peu, mais ça m'emmerde quand même. Hein. J'aurais bien aimé que ça fasse un petit effet là sur les côtés. Tant pis. Les plaques de métal, pareil, on les a teintes en noir comme prévu, mais elles sont pas coulissantes. Parce que c'était juste trop compliqué, mais ça rend quand même très bien là, comme ça, je trouve. Les petits clous là, ils ont un flow, hein. Et je crois que le plus gros fail de cette construction là, c'est que j'ai fait une plaque centrale exprès pour accueillir le bras de l'écran. Et là, vous le voyez, l'écran il est pas posé dessus, hein. Il est juste à droite. Je suis un bouffon! Pour que l'écran soit au milieu, le bras doit être un peu à gauche ou à droite. J'avais oublié, chute B. Du coup, voilà, il y a mon contrôleur audio à la place. C'est bien déjà. Le fait qu'on ait énormément improvisé, ça nous est revenu hyper cher. À ce prix-là, j'aurais juste pu acheter un bureau de luxe, en fait. Mais bon, allez, celui-là, il est unique. C'est bon, je suis content quand même. Autre petit regret, c'est qu'on a énormément bricolé sur le bureau. Et c'était une très mauvaise idée, parce qu'on a mis des coups de scie dedans et qu'on l'a marqué. À la base, je suis youtubeur, hein. Je suis pas fait pour construire des meubles, moi. Bref, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse le compte Instagram d'Axel en description, qui m'a beaucoup aidé dans cette vidéo, vous l'avez vu. Et je voulais aussi encore remercier Dell, Nvidia GeForce France et la Fnac d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous en doutez, ce PC est donc disponible à la Fnac. Et pour ceux qui l'achètent via le lien en description, vous avez une petite surprise. Vous avez 6 mois d'accès gratuit au service de cloud gaming GeForce Now. Voilà, c'est cadeau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, tout ça vous connaissez. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et suivez-moi sur Insta aussi, c'est important. Ciao !